Hassan, konnichiwa, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Révolution Online sur PC, un petit jeu fait par des fans de Pokémon, qui est un MMO un peu plus sophistiqué qu'était Pokémon MMO du premier. Celui-là, c'est Pokémon Pro Révolution. Et cette fois-ci, je vais vous faire une petite vidéo découverte, et comme vous voyez, on va pouvoir affronter notre fameux Ash Ketchum dans la version américaine. Nous, il s'appelle, je crois, c'était Sacha Ketchum, je crois qu'ils avaient laissé le nom, alors qu'en anglais, c'est Satoshi. Et donc, on va pouvoir se fighter un peu, je vais vous montrer un peu les détails, mais on va faire un petit combat, voilà. Un combat assez classique dont je viens de finir là où j'en suis dans le jeu. J'ai battu la première arène, c'est-à-dire l'arène de pierre en français. Brock pour les fans de la série anglaise, donc en version anglaise. Et vous voyez que j'ai une petite équipe assez passable, on va dire, hein, ça passe. J'ai capturé un Pikachu, son Pikachu est en train de se barrer là, je sais pas ce qu'il fout. Je vais essayer de le rattraper. Est-ce qu'on peut. Voilà, je suis Ash, ok. Donc voilà, c'est un gros problème du jeu, c'est qu'il est en anglais, il n'y a pas de patch, mais on va dire que le niveau d'anglais n'est pas non plus extraordinaire, hein. C'est un niveau qui est passable, on va dire, niveau PC, on va dire, niveau le collège-lycée, ça va, quoi, à peu près, ok, je suis ready. Donc niveau 14, Pikachu, putain merde, il a augmenté. Donc moi évidemment j'ai pris Onix parce que ça va passer, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais plus ce qu'il a fait, Mimikyu je crois. Alors je suis quelqu'un qui est très porté sur l'attaque dans les Pokémon. Je n'aime pas vraiment les attaques qui font grimper les stats. Moi je suis plus dans l'attaque, je sais que c'est couillon mais je le fais toujours. Donc on va aussi avoir un premier problème du jeu. J'aime bien regarder le truc, la pistage de l'air, si c'est ok. Ça n'a aucune utilité, donc les graphismes c'est plutôt Pokémon X quoi. X ou Y, les derniers jeux. Après il se passait sur la 3D. Ouais, donc ça va pas super faire effet, allez vas-y. Voilà, il est terminé. Puis là, je crois que si le truc va respecter le. Enfin, si le jeu respecte l'animé, il va. Voilà. Oups, et après Papillusion. Donc, je vais essayer de vous faire évoluer en direct mon Salamèche. J'ai commencé avec un Salamèche. On va continuer comme ça, on va laisser Papillusion. Je m'occuperai de Papillusion avec Salamèche. Voilà, donc là, je fais des attaques assez basiques, à savoir que Rock Stomp, c'est pas. C'est l'attaque, comment on appelle ça? C'est l'attaque jet de pierre, là vous avez je crois. Non je crois que c'est celle-ci, jet de pierre. Je crois que c'est ça. Là c'est Rock Stomp, je crois que c'est tombe pierre, je sais plus. Une drôle d'attaque que vous gagnez. En battant la première arène de Owen. Je sais plus laquelle que c'est tombe roche je crois. Deposit Trainer, ok. Donc vous voyez, on peut pas changer de Pokémon, ça c'est un gros problème. C'est un problème qui peut être assez casse-couille. On peut pas changer de Pokémon après vous avez fini le. Un Pokémon ou un truc de genre Stun Sport. Eh, il fait chier, il va stun, enfin il m'a paralysé. It would be an even to move, ok. Allez. Confusion, putain là je me prends tout, hein, gars, hein, c'est. Allez. Vous voyez, c'est classique, c'est basique. Pourvu que j'aurais assez. Ouais, il était en train de brûler. Donc parfois, les dégâts sont assez. Je trouve que les dégâts sont parfois un peu abusés. En termes de. En termes, parfois, les Pokémon sauvages vous font des gros dégâts. J'étais un peu choqué. Puis je vais vous présenter autre chose parce qu'après, ce sont des. Ça et ceci là. Ce que vous voyez à droite de votre écran, ce sont des. Comment on appelle ça? C'est un free-to-play, hein, c'est un free-to-play, mais vous pouvez facilement jouer au jeu sans vraiment avoir besoin de payer, à part un petit truc qui est un peu casse-cou. Bon, il commence à me les secouer, là, c'est un peu chiant, là. Ah oui. Enfin, on lui fait des dégâts par la brûlure. C'est assez sympa, et vas-y, continue. Big game confus, oh putain, puis en plus il est confus le truc, là c'est Hurt Himself. Ah ça j'ai jamais aimé, c'est un truc que je déteste dans les Pokémon, c'est qu'il te déteste par la confusion. Qu'est-ce que c'est la confusion bordel? J'ai pas compris ce truc là. J'ai jamais compris, il se blesse dans sa confusion, c'est un truc qui me faisait péter des câbles quand j'étais plus jeune. Donc finalement, voilà,
passé. Finalement, la brûlure aurait été bien plus efficace que prévu. Voilà, elle est finie. Et vaincue, on a eu Onyx 6. Et on va pouvoir voir une évolution. Onyx qui est... Putain, il est vachement balèze. Malheureusement, je pourrais pas m'en servir dans la prochaine arène. Alors, je vais vous montrer un peu la map. Do you want... Ah, on peut choisir si votre Pokémon évolue. Donc ça reste un peu leur estray, alors qu'il essaie d'évoluer en Charmeleon, ça va Reptincelle. Oui, je veux. À évoluer, voilà. Donc on a... bon, pourquoi pas. Parce que vous pouvez annuler les évolutions. I got, Ah, lui, nous, on est arrivé avec un peu... Nous, on a pris les trucs. On a pris les trucs, c'est comme dans le manga, dans l'animé, dans le manga. Lui, là, il a chopé Pikachu par, comme par hasard, voilà. Sylveon, merci, on l'a gagné. Donc, je suis assez content. C'était pas non plus l'affrontement du siècle. Alors, je vais vous montrer un truc. Voilà. Montrer un peu comment on appelle ça, les menus. Alors les menus, vous avez ici le free to play. Alors le free to play, c'est acheté avec votre vers un compte PayPal où vous achetez des petits trucs comme ça, 100 points, 150 pour avoir une monture. C'est une monture, et bon, là, une monture, ça veut dire c'est assez passable, mais il y a un petit problème dans ce truc là. Vous avez Loclas, Electrum, Démolos, Surfrousse, Grivali, bon, Magikarp, hein, pour ceux que Surfmoon, c'est pour surfer, Dodrio, je crois, Sharpedo, Absol, oui, je les connais tous. Latias et Latios, Rapace de Pique, et vous avez la bicyclette. Et ça me fait un peu chier parce que la bicyclette, vous l'avez dans le jeu normal. Je comprends pas un peu pourquoi c'est mis maintenant. Après, vous avez Milobelus, ou tout de genre. Alors, dans les consommables, vous avez 25% pour. Comme ça, je vais vous expliquer un peu. Qu'on peut en avoir dans les. On peut les avoir en gratuitement. Donc là, c'est un médaillon, je sais pas à quoi ça sert. La hache. Là, je sais pas quoi ça sert. Les fringues, vous pouvez changer les fringues parce que là j'ai des fringues en arrière basiques du jeu. C'est les fringues qu'on a tous dans les versions Game Boy et tout. Les habits de la Team Rocket, bref, je vous laisse regarder. Les kimonos, les trucs de genre. Donc là, c'est 25. Et vous vous dites, ouais, mais c'est payant, donc comment on fait? Et ben c'est pour simple. Si vous voulez pas mettre la main au portefeuille, ben vous faites PVP. PVP, c'est quoi? C'est affrontement. Donc là, je suis en train de. Oui, il m'a mis. Je suis no longer. Je suis en mode. Je ne fais rien. Si vous faites rien pendant un certain laps de temps, vous êtes viré du serveur. Et à savoir qu'il y a trois serveurs maintenant. Il y a le serveur bleu, jaune et rouge. Donc je vous explique que vous devez faire des PVP. Donc si vous gagnez un affrontement face à un dresseur random, que c'est pas un ordinateur, hein, cette fois-ci c'est un autre joueur, voilà, c'est du online. Et bien vous gagnez un point que au bout de 20 vous pouvez vous acheter quelque chose. Donc on va passer au backpack, là c'est du classique par rapport à ce que vous connaissez, hein, c'est exactement pareil, les CT qui sont appelés TM en anglais, customisation, voilà c'est ce que vous gagnez, vous achetez, trainer, voilà c'est ça, c'est pas grand chose, là j'ai 1200, j'ai 5 heures de jeu, donc j'ai rejoint le jeu le 27-02 parce que j'ai eu un problème, c'est que le jeu m'a détruit un peu ma première sauvegarde, j'étais parti avec un carapuce au début, et j'avais capturé un bon nombre de Pokémon, et bah, quand je suis arrivé, quand j'ai dû refaire la mise à jour, parce qu'il y avait une mise à jour à faire, et ben on m'a tout dégagé, on m'a dit allez hop, t'as tout à refaire, donc là je vais vous montrer un truc qui est le point fort de ce jeu, c'est la map, regardez la map, vous avez celle de Kanto, c'est-à-dire la première rouge cheveux et bleu pour ceux qui ont commencé ça. Vous avez aussi la map de Johto, la map avec les qui sont sortis en 2009, qui sont ressortis argent, gold, silver, je sais plus trop quoi là, cœur d'argent et machin chose. Et vous avez la map d'Owen qui est qu'est-ce qu'il y a en PC, voilà, vous avez la map d'Owen, qui est, c'est ma version préférée, c'est celle que j'adore jouer. J'ai beaucoup aimé par exemple la dernière, hein, c'était Rose Alpha Saphir, et là vous avez, alors si je dis pas de conneries, je crois que c'est l'île comment ça s'appelle, c'est l'île des 4, je crois, dans les merde, je sais plus, c'est la Ligue Orange, je crois, c'est que vous avez ça, je suis pas sûr, mais je crois que je dis une connerie, mais je crois que c'est ça, la Ligue Orange qui était passée, putain, il y a plus d'une quinzaine d'années sur TF1, c'était sur, voilà, c'était les trucs de ce genre là, ça passait. Donc je vais vous faire un petit montage, je crois que là on va avoir droit à un dresseur, j'en suis pas sûr, mais alors, on va essayer, je vais mettre, merde, je voudrais affronter la, parce que je suis presque à la fin du, non,
c'est bon. Alors je vais vous faire un petit montage et on se retrouve au Moon Moon, enfin le Mountain Moon comme ils appellent ça en anglais, ce que nous on appelle en français le Mont Sélénite. Allez, petite coupure. Donc voilà, on se retrouve cette fois-ci. Alors je vais vous montrer aussi une autre fonctionnalité qui est plutôt sympathique, qui aurait peut-être dû être incroyable, qui est beaucoup plus commun. Ça c'est très chiant. Vous pouvez pas faire deux pas sans en croiser un, c'est un peu casse-couille parfois. Vous avez ceci. Alors qu'est-ce que c'est ça? Bah on vous montre les Pokémon K que vous avez déjà capturés, des trucs de ce genre là, et qui sont présents dans le jeu. Donc là moi j'ai pas encore rencontré de Melodelf, mais j'en ai affronté un parce que c'est elle qui est cette personne là, ce dresseur là l'avait. Et donc on me dit que bah il y en a ici, donc c'est assez sympa. Putain, on va pas faire 2 mètres, ça va être très relou, je vais souvent faire du montage. Enfin du montage, hein, c'est du montage basique, très basique. Donc vous allez avoir le truc Camstasia, parce que voilà, si c'est en version DC, ben voilà, vous avez Camstasia, tech, même pas machin chose. C'est un peu très chiant, et voilà, vous ne pouvez pas faire 2 mètres sans croiser un Pokémon, ça casse un peu les couilles. On va essayer d'avancer un peu plus vite, donc on va se retrouver pour la fin. Je vous dis, je vous dis un peu, à tout de suite. Allez, cette fois on se retrouve, donc là j'ai pas pu faire au moins 2-3 pas sans croiser un Pokémon, c'est très chiant. Donc on est au niveau B-, deuxième sous-sol, parce que vous savez, en français, le rez-de-chaussée en français, ça n'existe, enfin en anglais, le rez-de-chaussée ça n'existe pas, c'est comme en japonais. Et voilà, on tombe sur les fameux Team Rocket Grunt, je crois que c'est Sbire, Let's Kid, okay. Je peux pas laisser un gosse, ok, c'est comme tu veux. Donc parfois, j'ai remarqué ça, il y a un problème, alors vous allez voir, normalement, en tant que combat, cette attaque-là devrait avoir largement l'avantage face à ce Rattata qui est niveau 13 et je crois commencer qui est normal. Alors que là, bah vous avez vu, ça lui a pas fait le truc super efficace. Donc là, il y a un petit problème à propos du jeu, c'est que les normales ne peuvent pas résister au type combat, ça c'est un gros problème. Oh putain, là, ça va être un gros problème, j'ai oublié. Et c'est ça le gros problème, je vais être obligé de changer de Pokémon en espérant qu'on me pourrisse pas la gueule. Et ce qui serait assez étonnant. Poliwag, c'est Psytar en français. Hein. Alors peut-être qu'il y a un patch qui sortira c'est pas non plus extraordinaire que ce qu'il me fait. J'espère qu'un patch sortira en français. Alors évidemment, vous m'avez posé la question, est-ce que le jeu est difficile à installation? Et ben non, il est très facile d'installer. Je pense qu'un gosse de 8 ans peut facilement le faire. Moi j'ai mis 2 minutes à l'installer. Il suffit de prendre le truc sur le jeu, de vous inscrire. Ok, tu es cramé, ok. Donc il suffit de prendre le jeu, de l'installer, de l'extraire, et puis après c'est bon quoi, c'est vraiment très simple. Alors j'espère que je pourrai vous montrer Azuria, parce que putain là ça va être, je sens qu'on va ramer quoi, on va faire beaucoup de coupures là. Ouais, donc là j'ai vu, mais c'est très chiant, j'ai pas fait grand chose, hein. Là depuis la dernière coupure, là on ne fait que tomber, vous allez voir un peu le nombre de Pokémon sur quoi on tombe, c'est parfois, voilà, très c'est trop relou. Donc là je pense qu'il y a un problème, parce que niveau 11, un Sablero. Ok, bon je sais pas, peut-être. Donc c'est parfois un peu problématique. On veut un autre joueur, on veut un autre aussi. Ouais, lui aussi, il est en combat aussi. Surtout au combat face à des Pokémon qui sont très communs, qui n'ont rien d'extraordinaire. Donc là je pense qu'on va tomber sur un mec de la Team Rocket encore une fois. Il est là. Voilà, non, c'est une gonzesse aussi. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la mascotte officielle, hein. Ah putain, c'est quoi ça? Waouh, ça c'est un Pokémon de la 3ème génération et il est là dans la première. Je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, j'en veux pas non plus. Mais je sais plus comment il s'appelle. Alors, parce que je le voyais pas. Ah ouais, il est là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. À chaque fois que vous rencontrez un Pokémon, eh ben sa fiche est installée. Sa fiche, ça fait comme dans l'anime où il lui dit patati patata, il est comme ci, comme ça. Et ben c'est exactement la même chose, sauf que là, vous, bah vous voyez, là j'en ai pas capturé énormément des masses, mais là vous avez la petite Pokéball, ce qui signifie que je l'ai eu. Petit arc est déjà très efficace. Alors, oui, Team Rocket.
Nous, on cherche des fossiles et faire revivre les Pokémon pourrait nous permettre de devenir riches. J'ai approximativement traduit, hein. J'ai pas non plus traduit comme il fallait, mais je vais donner l'idée principale, quoi. C'est pas non plus un très grand anglais, mais pour les collégiens, enfin pour ceux qui sont jeunes, qui ont envie de se faire un petit Pokémon old school, ça peut rebuter quand même l'anglais comme ça. Je veux dire qu'il y a certains trucs qu'il faut piger, même moi parfois il y a certaines attaques que je suis obligé de chercher, bien chercher et tout. Rattata est paralysé, oui, c'est une des capacités, je crois, je sais plus comment c'est. Bref, on va bientôt s'arrêter là, hein. La vidéo va bientôt s'arrêter, ça va faire presque 10-20 minutes, un quart d'heure à peu près, je sais plus, que je parle et que je vous explique vraiment, je n'ai pas trop mon trait de combat, à part cela. Elle va prendre Sheros là. Elle va prendre très Sheros parce que là, Pokémon vole face à une attaque électrique. Normalement, je devrais avoir un envie. Ah non, c'est super efficace, ok. Morsure. Et pas bite, hein. Bite ne veut pas absolument pas dire ce que vous croyez. Hein. Je vais pouvoir me passer de Pikachu pour le prochain parce que je crois qu'il y a encore un dresseur et puis après je pense qu'on s'arrêtera là. Voilà, donc il n'y a pas de musique de fin, il n'y a pas de. Ouais, y a pas de demander. Oui, je suis fou, ok. Puis je crois qu'on va remettre Onyx. Hein. Putain, je sais que je vais entraîner. Oh putain, pas encore un. Comment on appelle ça? Ah putain, je sais plus comment il s'appelait. Un Pokémaniaque, voilà. Il va me demander de choisir entre le fossile de Kabuto. Kabuto qui est une petite référence pour les casques des samouraïs. Ces fossiles sont bien, ok. Tas de merde, ouais, c'est tas de merde, hein, sous le tas de morts, bah, fais-le comme on veut. Et là, je pense qu'on a fini. Je l'ai pris parce que je savais que ça, je me souvenais qu'il y avait un tas de morts ici parce que j'ai trouvé que c'était plus simple. Je veux dire, avec. Starchas, ça, c'est un gros problème, je ne sais pas ce que c'est, le ACC. C'est sûrement une abréviation de quelque chose, l'attaque peut-être. Attaque, ACC, peut-être. Mood Slap. Je sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, pour ça que ça me fait perdre des stats. Voilà, on a fini. Voltorb, je crois, là il utilise souvent des Voltorb. Non. Ah, Smogo. J'essaierai de vous faire la vidéo de Pokémon Snap sur la version originale, je sais qu'il est sorti en version assurance. Il est sorti en version dématérialisée sur Wii U, mais je pense vous faire la version d'origine. Oh putain. Là, ça c'est un truc que j'aime pas. Ça c'est un truc qui peut m'énerver très facilement, c'est quand tu rates tout ce que tu veux faire. Et que le mec en face il a un truc bidon qui ressemble à rien. Et que et lui ça passe. Oh là là, allez, vas-y, ne me fais pas chier, s'il te plaît, ne me fais pas chier que ça, parce que là, les trucs de précision qui baissent, ça c'est un truc qui peut vite m'énerver. Quoi. On va changer, parce que j'ai pas envie de. Pokémon, on va changer. Il est niveau 17, mais. Ah putain, il y a 3 Pokémon le bout, hein, le salibou là. J'en ai 2 qui sont dans la merde. Et il me fait un max de dégâts, quoi. C'est incroyable, quoi. Le truc est niveau 17 quand même. Je veux dire, un niveau de plus que le mien. Koffing, là. Putain, puis il a pas envie, quoi. Oh là, là. Là, je joue comme une merde. Pourvu qu'il y en a son truc soit facile à battre, parce que là. Ça, je vais enlever. Ouais, normalement, je veux l'avoir là. Je veux l'avoir avec une seule attaque. Là, c'est terminé. Niveau 17, moi j'en ai qu'un seul qui est niveau 17. Oups, pardon, excusez-moi. Ça m'aurait été utile d'avoir Pikachu là, mais bon. Allez, c'est pas non plus. Les Nocerapties ne sont pas des foudres de guerre, on va dire. Wing Attack. On parle un peu trop vite. Heureusement, j'ai encore 2 potions et 2 BO au rang. Ça devrait passer. Allez. Donc les graphismes, ouais, quand les attaques, il y a certaines attaques, là ça passe parce que c'est une attaque qui ne demande pas trop grand chose. Mais vous voyez que l'attaque cruelle, par exemple, elle n'a pas été utilisée. Donc j'ai gagné 0$. Ok, merci. En plus, tu m'as fait chier et en plus, j'ai rien du tout. Donc nous, on va choisir. Moi, j'ai déjà choisi. Waldubat. Merci.
voilà, non, attendez, backpack. Et puis je pense qu'on va faire une autre coupure. On aura fait beaucoup dans ce jeu, dans cette vidéo. On va faire une autre coupure, on va se retrouver, donc je vais prendre celui-là. Are you sure to want the helix fossil? Oui. Voilà, j'ai eu l'hélix fossile et lui il a pris ça. Ah oh, bah merde, ça je le savais pas, regardez. On a cela. Bah écoutez, ça fera l'objet d'une autre deuxième vidéo, je sens ça. Donc on se retrouvera pour une autre vidéo où j'affronterai la Steam Rocket. Je pense que ça sera un peu trop long parce que là ça fait quand même la vidéo dure depuis 107 ans. Attends, je vous dis, portez-vous bien, merci d'avoir regardé cette vidéo pour cette première partie, puis après je vous montrerai un peu l'arène d'Azuria et tout le pont qui sont des moments d'anthologie. Je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien et matanez les gens.